Mon Dieu a tout payé. Je ne suis plus la rejetée. Mon Dieu a tout payé. Je ne suis pas là. Le monsieur, c'est le boss. Même s'il est moins intelligent que toi, ce n'est pas ton intelligence qui va t'élever. Je reprends, ce n'est pas ton intelligence qui va t'élever. Qui va t'élever. C'est ton humilité. C'est ton humilité qui va t'élever. Pas ton intelligence qui va t'élever. Toi, tu es sous-directeur. Toi, ta mission, c'est de faire réussir sa direction. Quand vous arrivez devant le PDG, évite d'essayer de faire montrer au PDG que dans la boîte, tu es sous-directeur, mais c'est toi qui fais réussir la sous-direction. Donc, quand le PDG vous prend, il dit oui, explique-moi. Le DG donne son, le directeur, ton directeur donne son avis, nous faisons ça. Et toi aussi à côté. Monsieur le PDG, écoutez, vous savez, ça c'est son approche. Mon approche, et tu es brillant, quoi. C'est que tu n'as pas monté. Tu sais comment tu dois te regarder. Tu sais que tu sais qu'il y a la prochaine promotion qui n'est pas là-dedans. Et puis vous allez venir dire non, Dieu, oh, pasteur, papa, pasteur, je comprends, on me combat au travail. Tu n'as encore rien compris. La Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Écoute, mon ami, si ça fait. Et ça, c'est quel orgueil? Ça s'appelle l'orgueil vis-à-vis d'autrui, l'orgueil vis-à-vis de ton prochain. C'est pas vis-à-vis de Dieu, mais il y a un type d'humilité vis-à-vis des gens. Si quelqu'un est ton chef, c'est parce que Dieu l'a voulu. Donc si tu travailles sous lui, tu fais réussir sa mission. Tu dis même s'il fait des bêtises, tu le couvres. Tu ne voles pas, tu ne mens pas, tu ne l'humilies pas, tu le fais monter. Tu le fais monter. Et tu t'abaisses. L'élévation vient de Dieu. Toi, on va te faire monter. Amen. Donc quand vous travaillez sur des gens, sachez que vous êtes sur des gens. Quand tu veux travailler pour montrer aussi que toi aussi tu connais, tu n'iras pas quelque part. Alléluia. Ce n'est pas, il faut le dire toujours, ce n'est pas l'intelligence qui élève, c'est l'humilité. Pas l'intelligence qui élève, c'est l'humilité qui élève. C'est le plus grand secret de ceux qui vivent l'élévation. Pas l'intelligence qui élève, mais l'humilité qui élève. Pas l'intelligence qui élève, l'orgueil ne sert à rien, mais l'humilité qui élève. Il y a quelqu'un qui décide qui monte, et c'est ton chef. C'est le chef. Reste le chef. Pardonne-nous l'orgueil, pardonne-nous la vanité, pardonne-nous nos pensées. Tu nous dis les choses dans la parole, mais nous résistons à ta parole. Nous résistons. Et toi aussi, tu nous résistes. Tu dis la parole, tu te dis Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles. Amen.